à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que c'est une annonce live. On se retrouve ce soir à 20h, aujourd'hui le 1er mars à 20h sur Twitch, pour sûrement ce qui va être un des derniers live Twitch. On parlera de beaucoup de choses, l'évolution de la chaîne qui arrive, qui prend plus de temps que prévu, les soucis que j'ai rencontrés, tout ça, les problèmes de clavier aussi, un clavier trop bruyant, SkyDev, tout ça, vous l'avez entendu, et aujourd'hui c'est le même clavier donc vous l'entendrez aussi, le changement de micro qui arrive aussi, je vous l'assure, on parlera de tout ça, on parlera aussi du Tipeee qui a été lancé il y a pas longtemps, je vous expliquerai un peu pourquoi j'ai lancé un Tipeee, etc. Il y aura le lien vers le Tipeee dans la description de cet épisode, de toute façon je vous invite à aller le voir avant, pour regarder et essayer de comprendre, de lire tout ce qu'il y a écrit, tout le blabla. Et voilà, un peu le blabla essentiel que j'ai à vous faire en lancement. Donc on se retrouve ce soir 20h sur Twitch pour un live blabla. Donc préparez vos questions, préparez vos interrogations, ce sera l'heure de la discussion. Ok, on peut repartir, direction une new run, on est à 8 de win streak, on va jouer Isaac en hard, et on est parti. Alors mon win streak a été fait que avec Isaac parce que je voulais pas avancer sur des trucs, et on est sur un Curse of the Unknown. Ah, on démarre avec Envy. Ah, ça c'est le bonheur. Ah, ça c'est la joie. En général, t'es heureux de commencer avec Envy, dis donc. Oh là là, oh l'extase, oh l'extase. Tous les coups, il va rien me looter, ou me looter une pièce, une bombe, un truc nul. J'aimerais bien des cœurs bleus tout de suite. Genre tout de suite, je suis pas là pour réfléchir, je suis pas là pour être ici. Donnez-moi des cœurs bleus. Voilà, s'il vous plaît, ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué en plus, donc on va essayer de bien jouer pour une fois, hein, de ne pas jouer comme un sac. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, donc je suis trop pressé de discuter avec vous de tout ça. Alors le Tipeee, on en a un peu parlé sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Hein, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à le faire, sauf si vous n'avez pas Twitter, dans ce cas-là, ça devient plus compliqué de me suivre sur un réseau social dont vous n'avez pas de compte, hein, mais c'est gratuit, tout ça, blablabla. Bla, bla. Les lives vont... Même pas, on s'est juste pris une troll bombe dans la gueule. Les lives, le live de ce soir est sur Twitch. On va bientôt passer à YouTube pour les lives, mais on en parlera sûrement ce soir. Bon, voilà, on va avoir une longue discussion. Je sais pas combien de temps durera le stream. Il durera assez longtemps pour qu'on puisse se dire les choses qu'on a à se dire. Voilà, on a un cœur bleu. On a une bombe, très bien. Et on a quoi ici? Et on a un demi-cœur rouge qui nous sert à rien. On reroll l'item et on a Piercing Arrow pour avoir Cupid's Arrow, pardon, pour avoir du Piercing Arrow, donc du Piercing Shot, qui est un item très utile, surtout en début de partie. Parfait. Et Petrified Poop qui est très le bonheur. J'adore. Merci, donnez-moi des loots. Voilà, on va se faire du pognon grâce à Petrified Poop. Bonjour. Merci bien. On casse les flammes de l'enfer. Ok, très bien, direction la salle suivante. Je sais où est la secret room, je vais sûrement pas la toucher, mais je sais où elle est. Hop, on esquive tout le monde. Enfin, on essaye en tout cas d'esquiver tout le monde. J'aimerais bien garder mon cœur bleu pour l'étage d'après. Je l'ai pris très tôt pour pas avoir à faire de demi-tour. Mais bon, c'est pas toujours hyper safe. Bonjour messieurs. Non. Merci messieurs. Très bien, et on récupère, bah pas ça. Merci mais non, je préfère avoir mon Petrified Poop pour l'instant. Du bonheur. Hop 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 hop. Allez, on décède. Non, me pète pas dessus, merci. Je devais me faire toucher là. Je devais clairement... Wow, 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 pousse pas ton pote. Je devais clairement me faire toucher là-dessus, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Et toi tu es mort, très bien. Dernière petite pièce, direction le boss. Faming, ok. Allez, on va espérer un petit cube of meat, du bonheur, de la joie, de la volupté. Ok. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Non, mais arrête de faire ça, c'est chiant. Arrête clairement de faire ça, c'est relou. Non, non, mais c'est relou, viens, détruis-les, détruis-les. Détruis-les, merci. Ah bah non, je l'ai détruit avant toi. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et on continue de te buter. Oui, 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 oui. Et voilà. Deuxième phase. La phase de la joie, la phase du bonheur, la phase de l'amour. Allez, décède. S'il te plaît, décède. On n'a pas le temps pour ça. Et évidemment, je perds de la vie. Et Ball of Bandage, non. J'aime moins, mais de toute façon, on va prendre. On n'a pas de reroll. Et même si on en avait un, j'aurais sûrement pris, histoire de garder mon reroll pour l'étage d'après. Ok, Curse of the Blind, alors qu'on a un Devil Deal sur l'étage, c'est jamais le bonheur. Et on se prend Super Slot. Oh là 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 là, le jeu qui a pas envie d'être notre ami. Le jeu qui a pas envie d'être notre ami du tout. Bonjour monsieur, s'il te plaît ne me retouche pas, parce que j'ai un Devil Deal qui patiente.
et j'ai plus de cœur bleu. Petit luck-up des familles, ne jamais ramasser les pièces au risque de se prendre un luck-up. Faudrait peut-être pas oublier ce détail à un moment. Non, non, arrête de faire spawn des araignées. C'est relou les araignées. Allez, détruis-les toutes. Voilà, merci, t'en as détruit quelques-unes au passage. Ok, nickel. Ok, nickel. Et tu nous proposes un Devil Deal, là. J'espère au moins que tu nous proposes un Devil Deal. Le Two of Club. Bon, c'est pas un Devil Deal, ça. On va faire avec parce qu'on est quelqu'un de plutôt heureux dans la vie, voilà. On va pas se fatiguer, hein, mais c'est plutôt de la merde. Sauvé par Ball of Bandage, même si c'est pas sauvé parce que j'ai pensé que le Ball of Bandage arrivait au bon endroit. Mais il y a eu un peu de chance, on n'a pas de clé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je sais pas où est-ce qu'il y aura une secret room là. Aucune idée. Merci. Les suivants, s'il vous plaît. Vas-y, sautez-moi dessus. Non, non, brûlez pas. Brûlez pas dans les flammes de l'enfer, c'est de la merde. C'est de la merde. Arrêtez. Ok. Allez, on va essayer de se battre avec fierté. Ce qui est pas forcément simple. Fierté, j'ai dit. Merci. Et on récupère une clé. Parfait. Muy bueno, caliente, tout ça, tout ça. Ok, on y va. On dit, on se débarque à gauche. Et on récupère l'item. On n'a pas le choix. Abel. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. On est vraiment heureux d'avoir Abel. C'est vraiment l'item qui nous faisait rêver. Et très bien. Rien d'intéressant dans ces petits boutons. On est reparti. On remonte direction les nouvelles salles. On va partir en haut. C'est ce qui m'inspire le plus à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de poupe. Oh lolo lolo, ça fait mal ça. Pour le coup, ça fait très très mal. On récupère une clé, ce qui est un très bon élément. Ok, ok, ok. Ok. Ici, il se passe strictement rien. On a un accès à un shop qui est vraiment un shop en plus. Et ça, on le sait. Parce que vu qu'on a déjà eu un mini-boss, il ne peut pas y avoir de contre-mini-boss là-dessus. Donc quoi qu'il se passe, on aura notre bonheur. Voilà, les ennemis chiants sont morts. Les invocateurs sont morts. On est à 9 bombes, une clé. C'est pas mauvais. Hop, on va essayer de les buter eux assez vite. Voilà. Et c'est à toi, la petite poupe qui se balade. Merci. Le boss, avec un peu de chance, va être à gauche. Je dis avec un peu de chance, hein, sinon j'en sais rien. Ah, c'est bien quand même, le piercing shot. Hein. On pourra dire ce qu'on veut, c'est le bonheur. On pourra dire ce qu'on veut, c'est le bonheur. Attends, mais quoi? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Abel a changé. Je n'étais pas au courant, mais Abel a changé. Abel ne tire pas vers moi. Abel tire un peu en homing, pour une raison que j'ignore. J'apprécie, hein, mais j'ignore. Un peu là. Hop là, on va essayer de détruire un minimum les flammes avant que tout le monde nous saute dessus. Très bien. Non, mais il a un, ouais, il a une espèce d'homing un peu étrange. Ok, on va protéger notre Devil Deal comme ça, ce qui est plutôt bueno. Très bien, les flammes, tout ça, c'est décédé, direction le boss, direction monstro, et un monstro noir, un monstro d'invocation, pour notre bonheur. Ouais, non, pas forcément, bon là on a pris beaucoup trop de risques, on n'aurait pas dû, mais c'était pour pas perdre de temps, voilà, j'avoue tout, j'avais pas envie de perdre de temps, pas le temps de niaiser comme on dit par chez nous. Hop là, oulolololo, j'ai failli prendre des dégâts, j'aimerais bien rester au moins à mon demi-cœur. Ah là, et Devil Deal en blind, c'est jamais le bonheur, hein, c'est jamais la joie. Mais on va en prendre. On va en prendre. Non, je vais pas utiliser mon reroll ici, quoi qu'il se passe pour l'instant. Donc, Brimstone. The Nail, ok, ça me va. Contact from below, ok. Demon Baby, ok. Bon, c'est très cher pour ce qu'on a eu. Et Molly Brain, Midnight Snack, qui nous redonne un HP up. On va se contenter de ce HP up, mesdames et messieurs. Nous n'allons pas faire les fines bouches. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je prends. Je prends. Alors, là, pour le coup, l'item m'intéresse pas. Et j'ai peut-être un intérêt à le reroll à un moment. Mais, ouais, on va le reroll, je pense. On va sûrement le reroll. Ça va être Captain Reroll. Ok, eux ils vont me foncer dessus, ça va être très bien. Le piercing shot là-dessus marche très bien. Et la tourelle aussi. Donc c'est parfait. Voilà. Suivant. Oh là là, il est décédé dans le décès le plus absurde du monde. J'ai spawn dessus. Ça c'est pratique. C'est clairement pratique. Allez, on décède, merci.
Ok, Contract from Below qui va être intéressant, je pense, sur cette run. Il va nous faire plaisir, surtout qu'il est arrivé bien bientôt. Allez, toi, tu vas décéder, s'il te plaît, sans me foncer dessus. Parfait. Salle suivante. Oh non, pas des araignées. C'est de la merde, les araignées, dans le jeu. Bonjour. De l'autre côté, on a un accès. Non, on n'a pas d'accès de l'autre côté. Dommage, ça m'intéressait bien plus que ce côté-là. Est-ce que j'ai une méthode qui me permet de voler là? Non, j'ai rien en ma possibilité. En ma personne là qui me dit vas-y frère, tu peux voler. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Et on a rien. Ok. Bah, fallait bien un moment qu'on se fasse toucher. Bon, par celui qui fait le plus mal, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Celui qui nous enlève un cœur, sinon ça sert à rien de nous enlever de la vie. Justice, et donc Justice en double. On y récupère des bombes, des clés et des polynions. Ok, très bien. Merde, le mec il ne sait plus ramasser une bombe. On va y regarder ce qu'on a ici. Ok. Ok. J'accepte. J'accepte. Ah non, ah non, ah non, ah non. On est à un demi-cœur. Ok. On est à un demi-cœur. On a failli mourir dans d'atroces souffrances. On a perdu le Devil Dealer. On va aller récupérer deux choses. Premier élément qu'on récupère, c'est lui. Ah, je suis pas chaud de ouf là pour jouer Epic Fetus, Docteur Fetus, Fetus Taras. Attends, on fait un petit détour ici. Alors évidemment, comme d'habitude, les Dice Room, on les oublie tout le temps. Mais la une me plaît bien, il me semble. Ouais, c'est un reroll de notre personne entièrement. Écoutez, on va la prendre. On va le prendre. Donc c'est Docteur Fetus, très bien. Alors, un petit money equal power. Oh non! Des petites sad bombes, ok. Et on a évidemment perdu notre activable, hein, pour notre plus grand malheur. Ah! Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit exactement ça, la run. Je... Attendez. Attendez, je suis pas sûr que ce soit de la merde. Je suis pas certain que ce soit de la merde. C'est pas ouf, il manque beaucoup de choses pour que ça devienne viable. Mais je suis pas certain que ce soit de la merde. On est quand même à pas mal de dégâts et on a des effets de larmes qui, bien que certains me gênent un petit peu, ne sont pas totalement dépréciables. Vas-y, explose et explose tout le monde avec toi. Non, s'il te plaît, explose. Merci, suivant. Ok. Ok, ça c'est parfait. Bon, toi tu vas exploser à un moment. Deux fois. Et toi tu es mort, très bien. Ouais. Ok, Power Pits qui nous sert strictement à rien. Ça évidemment qui va nous enlever un petit peu de dégâts parce qu'on a Money Equal Powers. Mais c'est pas grave. Alors, on récupère encore plus de dégâts vu que ça nous a coûté moins cher que ce qu'on a dépensé. Je sais pas si ça me servira à un moment, mais j'ai peut-être une idée. Waouh! Ok, c'était violent, mais j'ai aimé. J'ai aimé, pouce bleu. Ok, on va continuer, on va espérer survivre. Pff, elle commence à devenir un peu tricky cette run. Hein. Elle commence un petit peu à me faire flipper. Vas-y, explosez tous là, dans d'atroces souffrances. Faut que je fasse gaffe aux projectiles après. Ah là, là, vous êtes mort. Ah là, t'es mort aussi. Hein. Merci bien. Bonne soirée, au revoir. Allez, on récupère des dégâts. Donc, on est plus à 6 de dégâts, hein, mais on y croit, on y croit, on y croit. Direction le boss. Bonjour. Le one-shot était sale, là, quand même. Je suis perplexe. Je suis perplexe.
Ouais, je suis assez perplexe. On a le bounce back, qui est mignon, il me semble. Vérifions si c'est ce que je pense, hein, mais... Non, c'est pas du tout ce que je pense, très bien. Ou on a des effets de larmes qui contre ça, peut-être. C'est ce qui est très possible. Ce qui est tout à fait possible. On récupère encore des dégâts. Money equal power, c'est quand même vachement stylé pour certains points. Ah, mais en fait, c'est notre pote explosif, là, qui est hyper violent. Oh, est-ce que ça peut donner des trucs rigolos? Ça nous a niqué notre dégât, mais attendez. Attendez, parce que ça a niqué notre dégât, mais pas notre cadence de tir, et par certains effets. Ok. Ouais, non, c'est pas ouf, hein. Le mec fait des tests, vous savez, genre, alors est-ce que ça va marcher? Bon, bah ça marche pas, merci, bonne journée, au revoir. On a toujours un money equal power, mais. Donc on va éviter de dépenser trop de pognon quand même. Toi, tu vas mourir, ok. Donc on n'a pas de dégâts pour l'instant, mais j'ai pas si peur que ça, que ce soit pour les boss, pour plein de choses en fait. J'ai pas tellement de frayeurs. J'ai des frayeurs niveau nombre de points de vie que j'ai, ça c'est sûr. Mais c'est à peu près tout en fait. Ah oui, j'ai quand même ces larmes là, faut pas non plus déconner, c'est vrai. Le mec qui se rappelle des trucs, tu sais. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ouais, donc ce qui fait que ça fait un supplément là-dessus. Et ouais, non, j'approuve. Something went wrong. Ok. On a 4 de dégâts désormais. Oups. Alors, on s'est fait toucher, mais c'est pas grave. Et Squeezy! Oh oui, I love Squeezy. I love Squeezy. Ok, on commence à avoir une cadence de tir qui me fait bien kiffer. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal, petit à petit, on commence à faire des trucs plutôt rigolos. On est chaud, on est chaud. Ok, donc on est à 100% de chance de Devil Deal, évidemment. J'ai pris des dégâts sales, j'ai pas trop compris. Je vais pas vous mentir, là, je sais pas. Ok. Ok, ça se passe. Ça se passe. Ici, est-ce qu'on avait quelque chose qui nous intéressait? Bon, allez, vas-y. On a gagné une pièce, écoutez. On va pas se plaindre. Donc toi tu vas mourir explosé, vas-y. Alors ça c'est facile. Ça il suffit de les choper au laser. Un peu là, allez au laser j'ai dit. Et on est bien. Alors là c'était débile. J'aurais pas dû me faire toucher, hein, mais je suis un sac. Voilà, très bien, bonheur, joie, volupté. Ok, on continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on décède. Merci, on récupère une clé. Bon, on en a 5, ce qui est pas folichon, mais ce qui est pas mauvais. On va aller dans la grande salle. Je pense que ça va se passer par là quand même un petit peu. Au moins un minimum. Alors, quand il y a des difficultés, je lâche mon clic. Si c'est des petits ennemis simples, je le lâche pas parce que flemme. Ce clavier est très bruyant, mais moi je l'entends trop. Même moi je l'entends trop. Quand moi j'entends trop un clavier, c'est la merde. Allez, décédez ici s'il vous plaît. Merci. Décédez là s'il vous plaît. Alors là, j'approuve pas du tout le fait qu'il m'ait touché. Mais alors, pas du tout. C'est bien ce que je me disais. Poum, cœur bleu. Hakuna Matata. Un peu là, non, tout est mort de toute façon. Ok, tout le monde est décédé, c'est parfait. J'aime quand tout le monde décède. Allez, on va faire le scanner. Le scanner. Je ne vois personne, mais je scanne. Bon, ok, j'arrive. Je te vois pas, merci. On avait tué tout le monde sauf lui, c'est très bien. Parfait, on descend, descend. On va essayer de trouver quelque chose un jour. Ah, c'était un cul-de-sac, la grande salle, quoi. Génial.
J'aime bien avoir repoussé les ennemis, c'est plutôt cool. Ok, on regardera cette pile après, on a une secret room. Ici, pour une bombe et, deux clés, et trois clés, on a deux trucs. Que j'approuve. Ici, on va le prendre aussi, de toute façon, c'est pas très cher. On commence à avoir quand même pas mal de consommables, même si on n'a pas un milliard de clés. Y a moyen d'en regagner à chaque fois, donc why not. Et d'ailleurs, niveau bombe, on peut se permettre de faire ça. Mais avant toute chose, il faut quand même aller récupérer la pile, ce qui est peut-être pertinente. Luck up, écoutez, c'est toujours pertinent, hein, luck up. Direction la salle d'en dessous. Voilà, la salle qui s'est fait torcher, littéralement, dans tous les sens. Je ne vois pas de tinted rock, même si en darkness c'est compliqué à voir. Je les vois à peu près jamais. Ok, on est bien. Bon, on commence à avoir un perso qui a genre vraiment une sale gueule. Il est verdâtre, avec un bonnet chelou, des lunettes chelou, avec un nombre de cœurs assez limité et assez limitant. Mais ça va, Imhotep. Ça va, Imhotep. Voilà, très bien. Ça va, Imhotep, parce qu'on est à 4,34 de dégâts. Et vous le savez, 4,34 de dégâts, c'est énorme! C'est pas exactement vrai normalement, mais on s'en contente nous très bien avec cette cadence de tir assez monstrueuse. Ça m'intéresse pas du tout, merci d'avance. Je vérifie, je vérifie. Ah, y a pas beaucoup de pognon qui est sorti là. Ça peut nous être utile, hein. Beaucoup plus que l'autre item qu'on a acheté pour rien. Ok, ouais, on va partir sur la candle. La blue candle. Non, bon, tu vas exploser. Merci. On récupère du pognon, on est bien, on est heureux. Qu'est-ce qu'on a? Bonjour, bonjour. Y a d'autres gens là-bas, hein. Ouais, y a d'autres gens. Bonjour, tu peux mourir? Bonjour, toi aussi, tu peux mourir, s'il te plaît? Très bien. On a nettoyé la salle sans voir quasiment personne, ce qui est plutôt parfait. Alors, lui me dit quelque chose. Je suis plus exactement sûr de qui il est et ce qu'il fait. Ah oui, c'est celui qui nous fait toutes les 4-5 salles, peut-être 6 salles, j'en sais rien, nous drop des pills. Donc, on va être un putain de drogué sur cette run, les amis. C'est le but de la run, on dirait. On va être addict aux pills. Allez. J'ai trouvé le moyen de me faire toucher. Il y a eu un ralentissement chelou là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Non, reculez. Reculez, satanique de merde. Putain, il me fonce dessus pour me faire exploser la gueule. Sale ambiance. Ok, parfait. Un peu plus de dégâts. Ça ne peut rien en faire de ces trucs-là. Allez. Tombe dessus. Oh, il l'a esquivé. Il a sauté pile au bon moment et c'est ses potes qui ont pris l'aggro. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée. Pas un boss fait pour moi, là. Clairement pas un boss fait pour mon stuff. C'est un boss qui est fait pour très peu de stuff de toute façon, mais... Ah! Là, il se prend des dégâts. Là, ça lui fait mal. Ah, là, je prends des dégâts. Là, ça me fait mal. Très bien, il est décédé. Devil deal. Pills. Relax. Ok, on va prendre évidemment Blue Cap avant d'aller au Devil deal. Il y a des villes qui coûtent 0 cœur. De toute façon, j'aurais pris Blue Cap quoi qu'il se passait, vous vous en doutez, hein, mais. Ok, c'était plutôt de la merde. Et quand je dis plutôt de la merde, je veux dire totalement de la merde. Bah écoutez, on va se casser, hein. On va se casser bien comme il faut. Parce qu'on en a marre de cet étage. Allez, un bon étage, s'il vous plaît. Un bon étage, s'il vous plaît. Alors ça commence correctement. Ah! Ah! Flaming Tears. Alors oui, mais non. Enfin oui, mais non, mais... Je peux pas dire oui, mais non, parce que je l'ai pris, quoi, mais... parce que c'est marrant, hein.
Mais c'est risqué. Ah, quoique, non, mon tech brûle les trucs. Ah non, c'est pas mal. J'aime l'idée. J'aime le projet. Power Peels. Allez, un HP up, s'il te plaît. Dans tous les cas, ce sera du damage up. Hein. Ok. Ok. Donc on récupère de San. Oh merde, le con, j'ai marché sur le feu. Ah, salut. Salut, c'est moi. J'ai plus qu'un cœur. Ouais, ok. Là, 81 pièces, c'est mignon. J'aimerais bien récupérer un cœur. Vous pouvez me donner un cœur, s'il vous plaît, dans la prochaine salle? Ou celle d'après? Range up. Excellent. Ah, on va perdre des dégâts, là. Le cœur rouge, non. Vu qu'on a pris un cœur bleu, on va garder le fait qu'on n'ait pas de cœur rouge. On en retrouvera un en chemin. Voilà. Voilà, très bien. On a tué des gens sans les voir. Relax. Ok, ça c'était pour le plaisir de chier par terre. Oh, une petite bombe ici, ça fait pas de mal. Bah écoutez, Ghost Baby vient dans mes bras. Hein. Oh, la salle chelou. La salle beaucoup trop étrange à mon goût. Allez, vas-y, va tous les péter. Ah bah non, je vais les tuer avant qu'il en ait touché un seul, c'est génial. Le bonheur, quelle est cette pile? Infested. Très bien, on récupère du pognon, donc des dégâts. On s'est pris 0,28 de dégâts en plus sur la salle, ce qui est plutôt le bonheur. Voilà, vous allez au bout de la salle, vous, c'est parfait. Salle suivante, on a 5 de dégâts désormais. Oh, ça va m'emmerder. J'aime pas du tout cette salle. Enfin, en fait, je l'aimais bien à une époque, jusqu'à ce qu'il décide de la trigger pour tout et n'importe quoi. Et qu'elle devienne beaucoup trop sensible à mon goût. Mais bon, passons, relax. Non, bon, on va pas le faire à chaque fois, hein. Les diarrhées passagères, c'est bien tant que c'est passager. Et direction Mom. Bah évidemment, on a pris des dégâts, donc Mom est ralenti. Oh, la slow Mom de l'enfer. Hop là. Très bien, on récupère ça. Et le reste, on s'en branle. Oui, le reste, on s'en branle. Allez, on se casse. On se casse, ma man. Ok, donc on va partir évidemment côté positif. Hein, vu la run qu'on a, qui est quand même vachement aléatoire. Alors, ok, c'est mignon, mais c'est vachement dangereux. Ok, une salle facile. Ah, il y avait une pile qui a été lootée. On va peut-être aller la récupérer parce que je pense qu'elle est accessible. Oui. Et on a bien fait d'aller la récupérer. Ah, c'est la Ivy Bag qu'on a récupéré. Je voulais pas la Ivy Bag. Ok. Je me prends le mapping et un heal par la même occasion. Hop là. Allez, tout le monde décède. C'est vachement bien passé comme ça. Pas de Tinted Rock à l'horizon, non. Pas de Tinted Rock à l'horizon, non. J'ai révisé mes Tinted Rock d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, je les maîtrise bien mieux qu'avant. J'aime pas cette salle, jamais. J'ai jamais aimé cette salle. On essaie de faire avec, hein. Avantins. Ok, parfait. Boss. Voilà. C'était rigolo. Et White Penny, évidemment. Évidemment, évidemment, White Pony qui est obligé de faire son apparition. Tinted Rock ici. White Pony. Qui ne m'est pas pertinent nulle part en fait. Hein. En tout cas, qui ne m'est pas pertinent pour grand chose.
Je vais faire un peu d'exploration là, parce que je me sens pas d'aller à l'étage d'après tout de suite. Même si j'ai pas peur des boss en fait, j'ai peur des autres salles entre les boss. C'est complexe ça, c'est complexe d'avoir peur de tout sauf les boss. Très bien. Non. Attends. Ouais. Je crois que c'est de la merde. Je suis pas assez au courant de si c'est de la merde ou pas, donc je vais juste pas le prendre. Ici on peut rien y faire pour l'instant. Celle-ci c'est quoi? Balls of Steel. Ah, si c'est le bonheur, relax. Voilà, on fait une ligne de caca, ça nous fait rire. Très bien. Très très bien. Non, il n'y a pas de secret room ni ici. Oui, de secret room normal à aucun des deux côtés. Ok, parfait. Ok, parfait. Merci, ça a duré une semaine et demie, mais c'était fait. Je suis con, j'ai accès au secret room, tout ça. Je sais où elles sont. Les Metemesis, on s'en tape. Donc ici, on va récupérer, évidemment. Ah, voilà. Bon, on a assez de vie. On a assez de vie, on peut se casser. Ça y est, on a réussi à remettre en ordre un petit peu ce que je voulais mettre en ordre. Infested, très bien. On a réussi à remettre en ordre ce que je voulais mettre en ordre. On commence à avoir un stuff plus que viable. Bon allez, je vais garder la possibilité de voler, même si je vais jamais utiliser l'activable en tant que tel. Je l'utilise juste comme un objet passif. J'utilise un activable comme objet passif parce qu'il me permet de voler plutôt que de mettre des dégâts avec la flamme bleue, qui est très bien, mais qui peut-être là n'est pas mon centre d'intérêt premier. Ça a coûté quand même 2 clés cette merde, mais passons. Ok, très bien. On est à 5,39 de dégâts, mais à une cadence de tir assez dantesque. Donc c'est très cool. Par contre, je connais pas mes HP. Donc je sais pas si ce que je veux vraiment. Ok, là ça va devenir un truc chelou par contre, hein, mais... Merde, je suis con. Je suis complètement débile. Faut pas que je change d'activable. J'ai aucune idée de mes points de vie, là. What makes you small? Ok, est-ce que ça marche toujours comme je veux? J'ai aucune idée de mes points de vie. J'ai pas attaqué mes cœurs rouges, ça je le sais. Ok, one makes you small. Tu décèdes. Ah. Ok, donc là, il y a moins de réflexion parce qu'on a plus de larmes. Ce qui est volontaire, hein. Je veux juste devoir rester appuyé sur un bouton parce que je suis une feignasse. Ouh là là, le con. Salut toi. Je la joue feignasse, je veux appuyer sur un seul bouton. Mais c'est dangereux. I found pills. Ok, je prends vraiment beaucoup trop de risques là. Télépills, on est télépillsé où? Ah, on était télépillsé à un endroit de merde. Genre qui nous fait juste perdre du temps, hein. J'adore, ma vie est géniale. La secret room, elle n'est pas ici, elle n'est pas là. Elle est peut-être ici. Voilà, 002 de dégâts en plus. C'est toujours 002 de dégâts en plus. Très bien. On va aller au-dessus vite fait. Ouais. Je voulais vérifier si la secret room pouvait être là. Malheureusement, non, elle ne peut pas. Non, merci beaucoup. Ah, c'est marrant quand ça explose. C'est très drôle quand ça explose. I'm Jersey. Alors, il y a une espèce de feeling qui me dit de mettre une bombe ici, mais... Waouh! Fou, ce feeling. Wow. Bon, ce feeling était fou, mais pas trop quand même. Mais pas trop quand même, il y a de la merde à côté. Voilà, et toi tu décèdes aussi, s'il te plaît.
Merci. Salle suivante. J'ai pas envie de faire la grande salle, ça se voit, non. Ambrose, mec bouffe toutes les piles, genre c'est des bonbons. Ok, nickel, on est bing. Il y avait une pile, faut que je la bouffe. Faut que je la bouffe. Ouais. Ok, j'étais gangbang contre un mur, c'était génialissime. Power pills. C'est pas ici qu'on avait toutes les machines à dons. Ici, on va récupérer des petits cœurs, ça va être bien. Ou une small rock qui va augmenter nos dégâts de 0,57. Ce qui est pas la folie, mais ce qui est pas nul. Hein. Au contraire, enfin, on va pas se plaindre, on va jamais se plaindre des dégâts up. Hop là, les cœurs rouges, évidemment. Ça ne nous intéresse pas. Ah merde, j'ai oublié de prendre la bleue. C'est mon pouvoir, les lasers, ok? Tu vas pas essayer de me défoncer sur mon domaine. Attends, je vais juste me mettre assez loin. Voilà. Il est dur, ce jeu. Il est très très dur, même avec un staff de merde. Attention. Et dégueu, la musique ralentie de ce boss. Allez, étage suivant. Voyons voir où on en est niveau HP dans cette cathédrale. Voilà, hein, on était à très très proche de la mort. Sur 20. Non, vous ne m'approcherez pas. Ok. Ah, je suis pas là pour faire des blagues. Hein. Sur un ennemi comme ça, c'est Power Pills direct. J'ai récupéré un demi-cœur, mais j'ai aucune idée de comment. Alors ça me va, hein, mais j'ai vraiment aucune idée de comment. Something's wrong. Hop là, allez. Allez, 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 allez. Merci monsieur, bonne journée monsieur. Niveau HP, c'est pas la folie. Hein. Et niveau HP, c'est pas la folie. C'est drôle parce qu'il a dit folie et HP dans la même phrase. Et vous savez, HP ça veut dire hôpital psychiatre. Allez, ok, je sais où on est. On va roter les pills. Ah, plus surprenant déjà. Ah, non, je sais où on est encore. Ok, once makes you small. J'ai pu avoir de hitbox à un moment. Je peux l'exploser ce pic? Non. Ouais, non, je voulais être sûr, je pensais pas, hein, mais mieux vaut être certain. Donc on va redescendre, redescendre et peut-être aller ici. Ouais, c'est déjà une bonne idée. Bon, en volant, c'est facile comme ça. Tant que tu te prends pas les trous, ça va. Ici. Alors c'est pas grave parce qu'on a une Synthadrock ici et un cœur rouge là, avec deux cœurs bleus ici et on a une pile génialissime. Vampires! Bon ok, c'était de la merde la pile, mais on est toujours heureux nous. Nous on n'est pas des joueurs difficiles, d'accord? Le jeu est facile, nous on est facile. Vampires! Hop, allez explose bâtard. Oh, j'ai trop de cœurs. Bon allez vas-y, on va t'exploser toi avec, de toute façon on a trop de bombes. Ah, ça nous fera 0,04 de dégâts en plus et on sera heureux. Très bien, merci, bonjour. Oh! Something wrong! Ah non, télépise, pardon. Je suis bête. Ouais, ce sera plus simple s'il me touche au final. Hein. Vas-y, explose. Non, non, explose direct. Oh là là, il a pas eu le temps d'exploser. Bonjour, comment ça va par ici? Bonjour, comment ça va? Oh, il a explosé sur le spawn et ça a rien fait, on dirait. Nickel. On va prier. Ah non, je n'étais pas parfaitement calé. Oh là là, comme c'est dommage. Allez! Alors non, non, je ne peux pas y aller là, c'est clair, net et précis, je fuis très très vite avant que vous m'influenciez, parce qu'à chaque fois vous m'influencez, peut-être ce soir on s'en fera un, mais pas maintenant, donc ce soir je rappelle en live à partir de 20h, oh. Alors bon, il y a un item qui me plaît, hein, mais c'est déjà un item qui me plaît. On est à 3 de dégâts en plus, on a augmenté nos dégâts de 50% les amis, c'est un peu le bordel. TNT c'est quoi déjà? Ah oui c'est ça. Ok, on va ramasser l'autre pour faire semblant, mais on repose juste après. C'est le Remote Detonator qui, je rappelle, permet de poser des bombes et de faire BIM
Mais j'aime bien voler. Ok, donc dès qu'il y a une salle qui m'emmerde trop, je me casse. À base de télépills. Oh, ils se sont explosés l'un à côté de l'autre. Ce qui était quand même vachement dommage pour eux. Et vachement bien pour moi. Non, non, décède. Merci. Okay. Quelle est cette pills? Infested. Allez, télépills. J'ai pas envie de rester là. Waouh, la télépills du bonheur. Allez. Allez. Vas-y. Prends pas ton temps. C'est mon meilleur accent suisse. Alors, si vous l'aimez pas, respectez-moi quand même, ok? Allez. J'ai pris mon attel. Voilà. Rien à voir avec une attelle hein, quand vous vous blessez au ski, même si eux pratiquent beaucoup le ski. Non, un attelle évidemment est un GSM. Ouais, je commence à y aller progressivement hein, pour dire un téléphone portable. Hein. Mais ouais, ils sont pas très langue française les Suisses, hein, ils sont pas suisses pour rien. Ok, on est bien niveau money, on est à 99. C'est quand même vachement bien sur un money equal power. Et c'est le décès, bon il y a des salles vraiment faciles. Spider Love. Friends until the end. Ok, très bien. Vous allez décéder. Vas-y, sors ta tête. Sors ta tête. Ose sortir ta tête. Il y en a un qui a sorti sa tête plus loin aussi. Et ils sont tous morts. Bonjour. Et merde. Bonjour. Ok, parfait. J'ai vu qu'il allait me toucher parce que lui, il a une hitbox que j'arrive pas à analyser du tout. Un pattern, pardon, que je n'arrive pas du tout à analyser. Et c'est toujours le bordel. Ok, lui, il arrive à venir. Avec joie et volupté. Merci pour cette clé. Quelle est cette pizza? Lock up. Relax. Blablabla. Voilà, très bien. J'ai chié partout. C'est nickel. Allez. Une fois, là. Allez, 5 poison bombs. Donc, nos bombes deviennent vraiment drôles. Non, j'ai dit nos bombes deviennent vraiment drôles. Ah, voilà. Lock up. Et Matemesis. Ah, et Matemesis qui est un heal, hein, nous le rappelons. Nous rappelons que Matemesis permet de se heal. C'est important. Ah, il y en a un qui est caché dans le sol, là. Je sais plus à quoi il ressemblait, je l'ai pas vu. Bon, t'es où, là? Oh, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te rentrer dedans. On a des cœurs qui traînent à des endroits, mais... Bof. C'est quoi, ça? Ah, très cool. J'apprécie. J'apprécie l'effort. Bonjour. C'est pas grave, j'ai Hématémésis. Avec Hématémésis, ma vie est un vrai régal. Hématémésis. Ah, comme ça, on n'a pas à faire un demi-tour pour ça. A cup of tea, it's milk. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Ok, lui, il est mort. Suivant. Ok. Suivant. En salle suivante. L'explosion était un peu rapide. Plus jamais tu m'exploses à la gueule comme ça, mais... Merci d'avance. Oh, vous êtes beaucoup, là, quand même, hein. Vous êtes beaucoup. Allez, il est où le genre? Il est où? Voilà, on a fait le scanner. Technique ultime du scanner qui fonctionne à tous les coups. Et on a une pile qui a drop ici. Something's wrong. Voilà, très bien. Moi, j'aime bien faire ça par terre. Da 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 da. Voilà, cette salle est faite. C'est le boss le plus... Ok, dès qu'on se plaint, il apparaît. J'allais dire c'est le boss le plus loin au monde. Mais c'est pas grave, on l'a trouvé. Oh, il me fallait ça. Hop. Très bien. Alors, est-ce qu'on se ferait pas toucher par flemme? Non, on va pas se faire toucher par flemme. C'est une mauvaise méthode. Si on se fait toucher, ça nous donnera le bonus qu'on escomptait, c'est-à-dire un ralentissement de tout. Bonjour.
Si on se fait toucher, j'ai bien dit si on se fait toucher. Ah, ah non. J'ai cru qu'il allait me retoucher. Ah, voilà, enfin. Ah, donc là, c'est un autre délire pour lui. Hein. Là, c'est clairement un autre délire. Voilà. Merci, monsieur. Cette partie était épanouissante, évidemment. Vous le savez, les amis. Et on est à un win streak de 9, ce qui est plutôt pas mal. Donc bon, on se retrouve, les amis, à 20h sur Twitch. Lien dans la description. N'hésitez pas à passer faire un tour sur le Tipeee pour lire un peu tout ce qu'il en est, etc. Parce qu'il y a déjà des éléments écrits. À penser à des questions, à savoir ce qui va arriver, comment ça va se passer, etc. etc. Je tenterai de répondre à toutes vos questions ce soir. Donc 20h pour du Isaac. Et ça durera un temps indéterminé en fonction de vous. Allez, on se laisse. C'était Unstar Bleachers. Oh yeah! Bye bye! C'était pas très aigu, ça.